nage. Chaque jour est une quête. Les mots glissent seul devant nos face au danger qui guette. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, c'est bien à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Fabrique, Mowgli. Chut, ne bouge pas. Ça y est, c'est bon, je crois qu'on l'a semé, Bagheera. Ah, saute sur mon dos. Ah. Vite. C'est parti. Accroche-toi bien. Tu perds ton temps, c'est dommage. J'aurais préféré pouvoir le manger. Oh, Mowgli. Oh, tu es sûr que Shere Khan a vraiment dit ça? Comment peut-il penser à manger dans un moment pareil? Moi, à ta place, je l'aurais balancé dans le ravin, Et qui a raison? Tout est de ma faute. Non, c'est de la mienne. J'avais juré de protéger Mowgli, mais j'ai tout raté. Mais non, vous avez tort, vous avez tort tous les deux. C'est ce tigre qui est responsable de tout ça. Nous avons perdu notre ami et c'est de sa faute. C'est de sa faute, Shere Khan. J'ai eu chaud. Le petit homme? Non, c'est impossible. Shere Khan a dit qu'il était mort. Mais alors, ça doit être son... son fantôme. Mais pourquoi elle est si triste? Oh, Lali, arrête, s'il te plaît. Ça ne fera pas revenir Mowgli, tu sais. Ton frère a raison, ma petite Lali. Mowgli est mort. Quoi? Et nous devons continuer à vivre sans lui du mieux que nous pouvons. Mes pauvres amis, mais ils vont avoir une bonne surprise en me voyant. Vraiment? Toutes ces pleurnicheries et ces hurlements à la mort pour un simple petit humain. Vous n'avez aucune dignité. Shere Khan, tu vas tout de suite t'excuser pour cette remarque déplacée. Pourquoi? Je vous ai toujours dit que je me débarrasserai du petit homme. Et maintenant que c'est chose faite, je compte bien vous rappeler qui est le maître incontesté de la jungle. Shere Khan! À l'aide! Il y a un fantôme juste derrière moi, c'est Mowgli. Il est revenu d'entre les morts. Imbécile, qu'est-ce que tu es encore allé inventer? J'ai vu le fantôme de Mowgli. Il est revenu pour nous hanter. Sottise! Je me suis débarrassé du petit homme une bonne fois pour toutes. Et mettez-vous dans le crâne que jamais je ne m'excuserai pour ça. Le fantôme de Mowgli? Attends un peu, Shere Khan, et tu vas voir. Quand mon fantôme aura terminé avec toi, tu seras bien content de t'excuser tellement tu auras peur pour ta fourrure. Comment vous pouvez être aussi blasé, Shere Khan, avec un fantôme en liberté, quelque part? Tu continues de rabâcher cette stupide histoire de fantôme? Arrête ça tout de suite, ma patience a des limites, tabaki!
Cher Khan, c'est toi qui as dépassé les limites. C'est lui. Qu'est-ce que c'était? Qui va là? Tu sais qui je suis, cher Khan. C'est toi qui m'as tué. Le petit homme? Impossible. Alors on me croit maintenant? Je vous ai dit que j'avais vu son fantôme. S'il te plaît, ne me fais pas de mal, fantôme de Mowgli. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Si, misérable! Combien de fois faudra-t-il que je te dise que ça n'existe pas, les fantômes? Oh si, ils existent. Je sais que tu as fait de la peine à mes amis, cher Khan. Et pour ça, tu vas devoir payer. Je veux que tu ailles voir tout le monde et que tu leur dises que tu es désolé pour ce que tu as fait et ce que tu as dit. Oh, Darzi! Mowgli? Mais tu es vivant? Je vais le dire à tout le monde! Oh, non, 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 surtout ne me dis rien! Je suis pas vivant! Ah bon, vraiment? Mais tu as l'air en pleine forme, comme si t'étais en vie! Chut! Non, moi, je suis le fantôme de Mowgli. Et je suis occupée, là. Pas le temps de parler, je dois honter. Oh, je vois! Désolée de t'avoir dérangé. Alors, au revoir, fantôme de Mowgli. C'est évident, Baloo est en train de me jouer un tour. Vous êtes sûr? Il paraît que quand un mauvais esprit a décidé de s'en prendre à quelqu'un, il ne le lâche plus. Tabaki a raison, cher Khan. Je n'abandonnerai jamais. Je te poursuivrai jusqu'à ce que tu t'excuses. Auprès de tout le monde. Où te caches-tu? Viens m'affronter si tu l'oses. Je suis là. Et là! Aïe! 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 Je déteste ce tigre. Baloo, comment peux-tu manger dans un moment pareil? Lorsque je suis triste, il faut que je mange. Même croire. Tout va bien, Darzi? Oui, je crois bien. Je l'ai vu, j'ai vu Mowgli. Tu as quoi? Enfin, pas lui, en personne. Non, j'ai vu son fantôme. Tu ne vas pas t'y mettre aussi, Darzi. Darzi, est-ce que tu te souviens où tu as vu ce fantôme? Oh oui, bien sûr, je m'en souviens. Emmène-moi là-bas, tout de suite. Très bien, tu as gagné le fantôme. Mais tu dois me faire la promesse de me laisser tranquille, désormais. C'est promis, mais en échange, tu dois dire à tous les animaux de la jungle que tu es désolé. Comme tu voudras. Alors, qu'est-ce que tu attends, cher Khan? Va vite t'excuser. D'accord, je vais leur demander de me rejoindre au bord du ravin où je t'ai... Où tu es tombé? Mais pourquoi là-bas? C'est l'endroit le plus approprié pour ça, non? Les animaux pourront se placer d'un côté du ravin et toi, tu seras de l'autre côté avec moi, comme ça. Tu seras aux premières loges pour assister à ce spectacle. Le ravin? Mais pourquoi il nous donne rendez-vous là-bas? Je ne sais pas. Peut-être qu'il aime le paysage. Il se moque de nous, oui. Je vous promets qu'il ne plaisante pas. Il est en route à l'instant même. Je te remercie, Tabaki. Je vais rassembler tout le monde. À moins que les fantômes n'aient une odeur, Darzi, Mowgli est en vie. Il est venu ici. Il faut prévenir Baloo. Allez, viens. Où est Baloo? Tu n'es pas au courant? Il est parti au ravin pour entendre les excuses de Khan. Tout le monde est là-bas. Pourquoi tu n'y es pas allé? Trop triste. Je vous ai réunis ici pour une raison très particulière. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Écoutez-moi tous, animaux de la jungle. J'ai le regret de vous annoncer que Mowgli n'est pas mort, en fin de compte. Quoi? Mais ne vous inquiétez pas. Il le sera bientôt. C'est lui, c'est le fantôme. Laissez pas m'entraper. Tu n'es pas un fantôme, mais un quoi? Au secours. Tabaki. Mowgli. Attention, ravin. Accroche-toi plus fort cette fois-ci, Mowgli! Fonce!
Khan, le meilleur plongeur de la jungle. Merci à toi, Bagheera. T'as vu, cette fois, je suis pas tombée. Mowgli. J'aurais dû te parler de mon plan pour piéger Shere Khan. Excuse-moi, Baloo. On est surtout content que tu sois encore en vie. Mowgli. Lali, va là. Moi aussi, je suis contente de vous voir.